La troisième game, on va vous l'envoyer tout de suite, les amis. Ouais. Et juste après, ce sera donc la grande finale Underdogs. Ouais. Donc Marine Lord contre Marine Lord. Lilbo Marine Lord. Et ensuite, ce sera MC contre ForgeG en BO5. Finale War Wounds de la saison 3. Ça va être exceptionnel. Un des joueurs exceptionnels français et coréen qui va gagner. On verra ça de toute façon après cette dernière game. Ouais, on donnera. Et même celle-là aussi exceptionnelle hein, quand même. Starbuck contre Jacques. Il faut être honnête qu'ils sont vraiment chauds. Hein. Dur à prendre au sérieux le Jacques. Jacques. Ça doit avoir tellement plus de style en néerlandais. Ah, en moi, fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis un tout petit peu déçu de Jacques pour le moment. C'est-à-dire que je pensais quand même qu'il allait avoir un jeu un peu plus construit, donc élaboré dans la précision. Et c'est vrai que pour le moment, je suis un peu déçu. Mais ce n'est pas un jugement de valeur, hein, ce n'est pas méchant. C'est juste que je suis quand même un peu déçu. Je m'attendais à avoir... tu vois, comme il est vraiment étincelé pendant une compétition, c'est quand même pas facile. Je m'attendais quand même à ce qu'ils soient un peu plus étincelants. La première game, j'ai trouvé qu'il s'était quand même assez vite fait perturber. Hein. Tu regardes un Teja ou des joueurs comme ça, tu ne les perturbes pas parce que nanana, derrière, c'est carré, c'est à l'allemande. Quoi. C'est... Ici, c'est là, bah, c'est là. Quoi. Et sur la deuxième game, c'était plus intéressant. Maintenant... Le problème des petits côtés de la créativité, c'est que souvent, c'est des choses que j'ai pu voir avec Thiello, comme avec d'autres joueurs comme ça d'ailleurs, souvent les joueurs qui sont un peu trop dans le test de la créativité, malheureusement, perdent en solidité et on va appeler ça comme la base hein, pour faire ta maison. Et on sait tous que les fondations d'une maison sont très importantes. Mm-hmm. Donc du coup, moi, pour le moment, je suis assez mitigé. Je m'attendais à quelque chose la de plomberie peut-être... aussi est assez importante. C'est vrai. D'un peu plus précis. Et la climatisation... En fait, ce joueur, si on le caractérise, avec il est jeune. À l'eau et propre. Il est très fougueux, en fait. Donc, il n'est pas carré du tout. En fait, il réfléchit et il joue. Tiens, je vais tenter ça, je vais faire ça. Tiens, vu ce qu'il est en train de, ce que je viens de voir, je peux essayer d'analyser et tout. Et en fait, il est plus fougueux que carré, en fait. Donc, et c'est sur sa fougue qu'il a gagné la DreamHack, en fait. C'est juste qu'il est vraiment intelligent et il sait switcher, en fait, à chaque fois et genre changer de main à chaque fois, genre sentir que l'adversaire va changer de stratégie. et après, tout simplement, se dire, je sens qu'il va partir sur. Voilà, là pour lui, en fait, il s'est dit, tiens, enfin. Qu'est-ce que c'est dur à dire, mais il arrive à réfléchir et à se dire, le mec, sans le voir, il va partir sur ça, et donc je vais contrecarrer sans le voir. Et des fois, bah, ça passe, et Adrima, qui a fait des bons trucs, c'était pas carré, c'était fou. C'était vraiment... Moi, j'ai bien aimé son style de jeu. Un peu le mec qui arrive devant la piñata, comme ça, qui est là... Voilà. Voilà, il arrive, voilà, c'est ça. Il arrive, personne ne le voit, et il arrive, il donne des tartes à tout le monde. Quand ça touche, c'est cool. Voilà, ouais, bah, quand ça touche, c'est cool, et c'est ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est un joueur qui est jeune, et qui est vraiment dans sa... Dans son style, il est plutôt exceptionnel. Parce qu'arriver à la DreamHack au RO16, passer trois groupes comme ça, c'est pas non plus que de la chance. Hein, c'est, ah non, bah là, il y avait des trucs vraiment très très bien joués et il a quand même défoncé des Coréens. La chance, c'est de la stat, mon petit moment. Exactement. Mais après, peut-être que c'est des joueurs qui s'épanouissent en physique quand ils sont devant les gens, en compétition offline, comme on dit dans le milieu. Mm-hmm. Mais qui, online, comme cette GoFor, ils ont un petit peu moins la gaule, ils sont un petit peu moins chauds. Après, comme le dit Anos, c'est que si on connaît un peu par cœur Jacques, qui est plutôt fougueux et tout, ou peut-être agressif, si on sait son style, on peut jouer par rapport à lui. Et donc peut-être que ce sera moins solide pour plus tard. Mais on verra ça. Il a 16 ans, il va apprendre beaucoup de choses. Je pense qu'il va faire tellement de mal. On va voir sur la troisième game. Mais... Jacques le fougueux. Ouh, et t'as vu cette petite prise de gaz là, ouais, avant toute chose, ce petit départ. 14-14. Donc j'ai que Pompétude a dit en France que ça s'appelait. Hein. Sandbuild, alors qu'évidemment, le Sandbuild n'existe pas, vous pouvez le rappeler, les mecs. Ça, c'est de votre faute. Hein. Ouais, mais c'est aussi grâce à nous, tu vois. Comme ça, Sen, c'était pas un joueur connu, maintenant tout le monde connaît son blaze. Tout le monde connaît Sen maintenant. Et alors, peut-être pas pour la meilleure raison, mais en tout cas, tout le monde le connaît. Non, parce que le Sandbuild, c'était réellement un 14-14, c'est-à-dire que c'était pas une erreur, sauf que c'était. Oui, mais maintenant, tu nous as déjà expliqué ta version, hein, puisque ça reste subjectif, Anos. Tu es très intéressant, mais. Je préfère notre explication. Elle est beaucoup plus simple. Le simple fait de te faire un gaz avant la poule, ça devient un build. C'est ce que j'aime bien dans le... Enfin bref. Place au jeu, place au joueur. Voilà, le Metabolic Boost qui va donc être envoyé très rapidement de la part de Starbuck. Starbuck qui va donc pouvoir tenter une agression rapide. Ouais. Alors que du côté du joueur Protoss, Nexus First into Forge. Alors Tu sais que Nexus First into Forge avec la forge derrière, là, il va défendre, c'est qu'il y aurait peut-être un petit trou. Hein.
Bah, en fait, pour moi, non, c'est plus petit que prévu. Je peux te dire que je connais bien le BO que fait Starbucks parce que Maman me l'a enseigné. Et c'est un BO qui punit les gates, gaz et puis Nexus parce qu'auquel cas, t'as pas le temps de bloquer en fait, de waller. Mais quand tu pars Nexus Forge ou Forge Nexus, si tu scoutes, c'est-à-dire que là, il faut voir quand même que Jack n'a pas scouté. Oh, et là, je suis inquiet. Ouais, il est en train pourtant. Et là, c'est je suis inquiet parce qu'il va checker la B3. Il ne sait pas qu'il a affaire à Sand Build. Du coup, pas d'early wall parce que là, on le voit tous. Il aurait pu fermer depuis 30 secondes ici. Hein. Et il faut qu'il ferme. Il faut qu'il ferme vraiment très, très vite là parce que les speedlings vont arriver. Et je comprends pas là. Il est complètement aux fraises, Jack. Ouais, clairement. Surtout que là, il pourrait voir l'Overlord. L'Overlord ici, en tout cas, qui va scouter. Je suis super inquiet. Ah, la prop qui vient de se rendre compte. Non, c'est bon, il va fermer. Il refait un autre pylône ici. 15 secondes. Dans 10 non. secondes, le speedling. Ah, attends, par contre, ici, c'est ouvert. Il n'y aura pas de zilote. Il faut rajouter un pylône. Pour le zilote. Pylon. Le speedling. Allez, easy, les amis. C'est ça de faire un 14-14. C'est que ça passe. Et c'est parti, mon kiki. On va rentrer directement dans la B1. Miam. Même si pour le moment on miam pas grand chose. Hein. Non. Il a pas infligé énormément de dégâts. Et il faut qu'il inflige du dégât ici, le joueur zérien. Ouais. Parce qu'il s'est mis vraiment derrière à l'économie en faisant ça. 14 drones ouais. à 26 probes pour le Protoss. C'est monstrueux comme écart. Et pour l'instant, il tue pas de probes. Hein. Le premier zilote qui sort. Oh là, le premier zilote quand même qui vient de perdre son bouclier en mettant qu'un coup. C'est assez dommage ça. Pour Jacques. Allez, Jacques qui gère très très bien là, ses airglings parce qu'il perd pas de temps de minage et pour autant il a pas perdu de probe. Donc très bien joué, comment ne pas stresser. Et d'autres airglings qui arrivent devant, une Stargate qui va être envoyée. Ouais, parce que le wall a été fini, tu vois. Mais là, il y a un truc que je comprends pas, c'est Starbuck aurait pu gagner la game en attendant un petit peu et ramener tous ses airglings et run by et tuer le photon. Et il a préféré juste passer avec ses 6 airglings. Il en a produit 20 derrière pour rien en fait. C'est dommage ça. Clairement. Les petits airglings qui continuent. Ouais. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des airglings là derrière en train d'attendre pour rien. Bah ouais, c'est sûr. Il peut plus passer quoi. Il peut plus passer. Et je pense comme toi que pour moi, Starbuck a pris les mauvaises décisions quoi. Avec ses airglings. Il avait un bon BO et il a eu de la réussite. Hein. Franchement, Jack. Il a perdu combien de probes le bon Jack ? Il a pas scouté. Tu as un petit contrôleur ? Deux. Ouais, quand même. Le micro, le probe là. Alors, deux, c'est très peu. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment bien joué hein, de la part du joueur Protoss là. Et du coup, le rack qui est envoyé de la part de Jacques. Alors, on va juste rechecker, être sûr qu'il l'a vu. Voilà, il l'a bien vu la Stargate. Tout va bien, il a repoqué, tout est cool. Le rack qui normalement devrait être totalement absorbé, même si pour le moment il n'y a pas de sport. Hein. Est-ce qu'il a cliqué ? C'est ça qui est important. Attends, il l'a vu. Il l'a vu physiquement. C'est-à-dire que la Stargate était dessinée avec le rack dedans. Ouais, il a vu que c'était un oracle. Allez, attention. L'oracle qui sort. Ça y est, les sports qui pop maintenant. Le timing juste parfait de la part de Starbuck. Pas trop tôt. Et pas trop tard. Juste nickel. Maintenant, il est un peu derrière. Il lui manque une hatcherie. Voilà, il la pose maintenant. C'est un peu tard. Maintenant, le fait qu'il ait scouté la Stargate, comme tu l'as dit, ça pourrait lui permettre de défendre. Et c'est parti, la sport qui est finie, l'oracle, un kill. Attention là, attention. Ouais. Il pourrait revenir dans la game avec cette défense, quoi. Ouh, il m'a fait peur là sur ce passage ici. L'oracle qui repart, qui fait pas grand-chose. On voit un petit void ici et de la sentry, donc ça sent la phase B3. Phase B3 qui d'ailleurs vient tout juste d'être ambiancée. Le problème, c'est qu'il y a quand même du zergling devant. Hein, donc c'est pas juste avec le void là qu'il va pouvoir se défaire des zerglings. Bon, enfin en théorie si, mais c'est que ça met un peu de temps, quoi. Donc c'est toujours plus sympa, voilà, vous voyez, il a été obligé de cancel. Attention quand même à ne pas donner la sentry, oh c'est dommage là, il donne deux sentry et cancel de Nexus. Bon pour limite dans ce cas-là, autant envoyer que le Void et le MC, tu vois ce que je veux dire, et puis attendre quoi. Ouais. C'est dommage. Ça c'est le move typique, et là ces deux sentry, elles valaient très très cher. Hein. Ah clairement. Et là, plus la partie dure, plus j'ai l'impression que Starbuck revient dans la game. Hein. Mais il est encore dans une situation délicate. Il va détruire la probe une deuxième fois. Ouais, il est revenu. Il sait que c'est Stargate en face. Il n'y a plus de sentry. Il a nullifié le Haras
le reste de l'oracle. Et regarde ce que fait. De mieux en mieux. Et 59 collecteurs à 44. Hein. Ouais, double Stargate rajouté. Il a repassé devant au niveau des collecteurs, le genre Zerg. Là, regardez, plus 13. Il a sa B3. Rappelez-vous quand même, tout, vous avez montré à un moment, il y avait une différence, je crois, presque de 15 collecteurs. C'était immense pour un début de partie. Ouais. C'est 14 à 28, 29, un truc ça. Franchement, c'était immense. Et là, il a remis 1 plus 12. Ouais. Donc, très bien joué quand même. Starbuck, qui par contre, vraiment, m'impressionne beaucoup pendant ce BO3. Je trouve vraiment que Starbuck, il joue vachement bien ce mec. Ouais. Alors, au début, en tout cas, il tente des choses. Il a pris une décision qu'on a un peu discutée ici. Ouais. Mais il tente des choses. Et là, je sais pas si tu vois, Starbuck, il part Hydra Range et il a fait la fosse d'infestation. Il l'a fait très très tôt. Il est sur 4 gaz, il a fait la fosse d'infestation. Il lance le tir 3 avec les Hydra. Attention, qu'est-ce qu'il va nous préparer ? Le déplacement des Overlords. Ça, c'est bien joué. Des Vipers. Et là, Jack, il vient sniper quelque chose. Il peut recall. Il arrive, on vient sniper ce spoiler rampant. Les Hydra qui sont révélés. Les Hydra qui viennent défendre. Les Phoenix qui viennent lift les Hydra et le recall. Très belle micro-gestion de la part de Jack. Clairement. Est-ce qu'il a fait beaucoup de dégâts sur ce truc parce que... Techniquement, non, mais c'est vrai qu'il s'est fait la sport, donc il sait que la prochaine fois qu'il passe, si elle est pas reposée, c'est toujours cette prise, c'est pris quelques Hydra. Mais techniquement, non, il a pas fait tant de dégâts que ça. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'a rien perdu non plus. Et dans StarCraft 2, à partir du moment où tu fais du dégât sans rien perdre, c'est toujours évidemment 100% worth it. Hein. Et donc, regarde cette décision de Starbuck. Pendant qu'il était en train de défendre, il a envoyé ses queens hors du creep. Et là, est-ce que Jack peut défendre ? Honnêtement, j'en suis vraiment pas sûr. Oh, il peut défendre. Il peut défendre là. C'est un bon timing ça, parce que Queen Hydra, c'est tellement fort contre l'air. C'est tellement ce qu'il faut. On est loin du Colosse, on est même loin d'avoir des unités Gateway qu'on voit du pâté. Hein. Il y a un petit coup sympa à jouer là quand même pour Starbuck. Starbuck qui commence à attaquer mais qui se fait lever quand même énormément de Queen. Il ne s'y trompe pas, le bon Jack. Et Jack, attention, qui va retourner sur la B2, il s'en fout de cette B3, le bon Jack. Et Jack veut. Qui s'envole vers la victoire. C'est la Stargate. C'est le corps. Il a merdé, le Mothership Core, il pouvait faire le photon overcharge et il est mort, le Mothership Core, c'est dommage pour lui. Mais c'est pas la première fois que je vois un peu bugger sur le score à bon moment. Et ici, Jack qui GG, Starbuck, le joueur slovène qui s'impose. Belle game. Hein. Ouais. Et comme j'ai dit, je finis quand même un peu sur ma fin avec Jack. Par contre, Starbuck, belle découverte. Starbuck aussi, je l'ai rarement vu jouer dernièrement. Et par contre, Starbuck, GG. Hein. Je trouve que son gameplay est très sympa. Il a une très bonne vision de jeu parce que à chaque fois qu'il se permet de faire des choses, c'est toujours à des timings appropriés. Il n'est jamais allé chercher quelque chose, alors que derrière, soit il n'avait pas le temps, ou soit il y avait une grosse attaque arrivée, ou soit... Non, à chaque fois, c'est réfléchi. Donc après, à la rigueur, d'un point de vue technique, c'est vrai que tu peux t'amuser à se dire est-ce que ça, c'était pas mieux de rajouter plutôt deux roaches ou trois, et tu peux rentrer dans de la précision. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours très bien exécuté. Donc, très bien joué de la part de Starbuck, qui, je trouve, un côté foufou, mais un côté foufou très contrôlé. Donc, à ce stade-là, c'est plus foufou, c'est juste une bonne vision de jeu et donc du coup une bonne répartie derrière la vision de jeu. Donc il m'a impressionné, Starbuck, GG à lui. Et je sais pas si, je crois que tu l'avais dit, mais t'as vu le train d'Overlord et l'autoroute de Creep ? Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, je l'avais pas vu. Il a fait vitesse over pour exprès pour ça en fait. Il a fait vitesse over. Si tu peux mettre l'écran d'Anos en régie ou ah ouais, c'était magnifique, regardez, les gens, tu peux montrer l'autoroute de Creep. Tac. Parce que tac. Ça c'est un move de Cielo il y a 3 ans. Ouais, c'est un move qui est vieux. Et c'est stylé, ça colle parfaitement avec l'agression Queen Hydra. Et ouais, parce qu'il fait d'abord la portée, vous pouvez voir que ici c'est la vitesse de déplacement. Ouais. Et c'est vrai que les Queen aussi sont lentes à déplacer. Très très beau move. Pour ça, vraiment, Starbuck, belle découverte de ce BO3. Je trouve vraiment qu'il a des. Il a ce petit truc Cielo dans un sens, tout en ayant aussi un truc solide, je trouve. Le je trouve solide, Stoven. Starbuck. Voilà, c'est le Cielo Stoven. Well played. Vous en avez pensé quoi sur le. Canal Carpien. Moi, je trouve que, comme tu as dit, Jacques, là, il a fait des erreurs qu'il n'aurait pas dû faire, comme le Mosage Core, photon overcharge, il aurait pu peut-être défendre cette attaque, préparer. Des petites erreurs. Des petites erreurs qui lui coûtent la game, c'est dommage, parce qu'il y avait B3, il pouvait se protéger avec son photon overcharge. Après, ces deux joueurs exceptionnels, c'était quand la finale de Zotac, c'est ça? Je crois que c'était la finale de GoFor. Tu peux nous confirmer, Kirin, n'hésite pas. Pour arriver tous les deux en finale de GoFor, c'est quand même exceptionnel. Les 2-1, ça s'est joué de peu. Une tactique 3 Stargate, c'était une mauvaise idée. Hein. Il aurait dû mapper avant et voir qu'il partait sur Hydra et switcher sur Colosse. Ouais. Et il aurait pu. Bon, bah, après, il a tenté et il a attaqué vraiment. Starbuck a attaqué quand même au timing parfait. Ouais. Il avait ses 6 Queens et ses Hydra. Il aurait attaqué un petit peu plus tard. Il aurait beaucoup trop. Clairement, il a une grosse vision de jeu, Starbuck. Ça qui m'a plu chez lui, c'est que ses timings à chaque fois sont. Enfin, dès qu'il fait quelque chose, c'est réfléchi. Alors qu'il était bien en retard quand même. Ouais.
Ouais. Et donc c'est pas facile en plus quand t'es donc vraiment très bien joué quoi. Très bon BO3. Un petit commentaire, mon pompe. Non, bah Fat Game, toujours content de voir un collègue Zerg utiliser le Nidus. Donc big up Starbuck. Et non, bah, c'était Fat en petit apéritif pour cette soirée StarCraft. Ouais, tout à fait. Là, on enchaîne avec du Fat, les amis. Quoi. C'est Underdog saison 9 finale. On a d'un côté un joueur, Millennium. Il se nomme Mindlord. Il est Terran, il est Fat. Il envoie du pâté dernièrement là, avec son collègue Daishi. Et il est vraiment. Bien sympa, ouais. Ouais, on a toujours Terran là qu'on voit beaucoup de pâté. Et de l'autre côté, ouais, on a un joueur. Lilbo, joueur Protoss, très charismatique, une forte personnalité. Il aime bien casser et vous savez qu'en France, c'est important de pouvoir casser les autres. C'est casser ça. Des bouches. Mais je dis ça, mais en toute bienséance et en respect, tu vois. Donc, un joueur très respecté c'est de ses pairs, Lilbo. Tu souilles, mais avec respect. Big up pour Grévis d'ailleurs, combien casser aussi casser, les voilà. Étudiants. C'est français, on aime. Mais continue. Et je voulais la faire. Super rencontre. Et Cassé, on va avoir le temps, puisqu'on va faire une pause de 10 minutes avant, avant la suite de cette soirée. On fait une petite pause. BO5. On vous retrouve tout de suite après. Restez dans le coin. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.